Toujours dans l'actualité, cette fois dans le Haut-Rhin, après la maternité fermée depuis un mois, des urgences en sursis. Eh bien voilà que l'unité de soins continus de l'hôpital Saint-Mauran d'Alkirch devrait fermer au 1er janvier 2020. Cet après-midi, les syndicats ont manifesté devant la direction qui tenait ce conseil de surveillance. Un conseil présidé par le député d'Alkirch, Jean-Luc Reitzer, et qui s'est toujours battu bec et ongle pour maintenir l'hôpital du Sungo. Stéphanie Malorant et Nicolas Meyer. C'est terminé, nous en sommes tous désolés. Ils sont venus dire non à la fermeture de l'unité de soins continus d'Alkirch. Une fermeture causée par un nombre insuffisant de médecins dans ce service qui accueille des urgences graves. En unité de soins continus, il faut une des trois catégories de professionnels qui assurent la chefferie. Donc un anesthésiste, un urgentiste ou un médecin réanimateur. Donc aujourd'hui, nous n'en avons pas en nombre suffisant donc, qui peut assurer le 24-24. Le conseil de surveillance de l'hôpital s'est réuni cet après-midi. Ironie du sort, c'est le député de la circonscription d'Alkirch qui devait le présider. C'est pas inacceptable. C'est malheureusement un démantèlement de l'établissement. Jean-Luc Reitzer, ancien maire d'Alkirch, s'est battu pendant plus de 30 ans pour pérenniser les services de l'hôpital Saint-Mauran. Cette fois-ci, il comptait bien défendre l'unité de soins continus créée il y a 13 ans et dotée de matériel de pointe. Deux heures plus tard, les conclusions rendues déçoivent les manifestants. On nous dit que ce sont les médecins mêmes du service, qui ne seraient finalement plus que deux, qui ont demandé à ne plus porter cette responsabilité et à faire en sorte que ce service soit fermé. La direction n'a pas souhaité s'exprimer, mais selon Jean-Luc Reitzer, l'hôpital préfère maintenir un service de médecine à Mulhouse plutôt qu'une unité de soins continus à Alkirch. Elle préfère maintenir un service de médecine de 40 lits et fermer 7 lits qui sont occupés, dit-elle, à 50-60%. Des chiffres contestés par les 12 infirmières du service. Un combat perdu puisqu'elles connaissent toutes leurs nouvelles affectations sur le site de Mulhouse. Elles prendront leurs fonctions le 1er janvier 2020.